Big Mama débarque en principauté et c'est sur la plage du Larvotto que le célèbre groupe a installé son premier restaurant Giacomo. Avec une carte ensoleillée face à l'horizon, les plats de cuisine italienne mélangent de belles inspirations méditerranéennes. Tout est confectionné avec des produits de saison directement importés d'Italie ou de producteurs locaux. Nous, on change la carte 4-5 fois par année, par an. On va dire 6 fois par an, on va dire, mais 4 fois, c'est par rapport aux saisons. Et puis, on change de temps en temps des plats. Dans tous les restaurants Big Mama, c'est sûr que vous pouvez déguster la pâte à la truffe. En fait, c'est ce qui est particulier chez nous, c'est que nous, toutes les pâtes sont faites maison. On a les burratelli, c'est des pâtes farcies, la stracciatelle, la ricotte, ils sont faits de maison. C'est vraiment incroyable, ça se sent tout de suite. Avec des petites tomates siciliennes, on a la pizza tartufo, on a la pizza burrata Neymar. Base tomate, stracciatelle, olive, pesto. La décoration a été spécialement créée pour le restaurant. Le groupe Big Mama travaille directement avec des artisans italiens qui proposent des pièces uniques. L'idée, c'est vraiment de faire voyager les gens à partir du moment qu'ils ont mis un pied dans le restaurant. C'est pour ça qu'on a pensé en déco un peu qui représente Capri des années 90, en termes de couleurs et tout ça. Mais quand vous allez rentrer dedans, vous allez directement aller en Italie. Et même la vaisselle, quand vous allez vous asseoir, toute la vaisselle est faite maison et faite à la main. Et c'est que des artisans italiens. On a une directrice artistique qui est très fantasieuse, on va dire. Et du coup, pour les artisans, c'est incroyable de travailler avec nous aussi parce qu'il a beaucoup d'idées. Voilà. Le restaurant Giacomo a ouvert ses portes officiellement ce samedi sur la plage du Larvotto.